Bonjour Mélou et bienvenue sur Alliance Occulte. Donc comme promis, je suis là pour vous parler de tout ce qui a été mis en place au sein du réseau lors de mon absence. On va parler là de la boutique solidaire, mes petits chats, qui a fait vraiment. Je vous remercie de vos commandes. Ça a déjà. Les colis sont en cours de préparation, mes loulous, d'accord. À savoir qu'avec vos colis, je vais tout de suite dans le vif du sujet, vous me connaissez. Je délivre également un reçu, d'accord, mes petits chats, ça vous permet d'avoir une preuve de votre paiement. Je vous parle de ça avant d'oublier, le reçu ne vous donne pas droit à une réduction d'impôt, d'accord. L'association est encore trop jeune. On verra dans l'avenir, d'accord. Une association, ça évolue progressivement, d'accord. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Concernant la fameuse boutique solidaire, d'accord. Alors pourquoi je passe tout de suite dans le vif du sujet? Parce qu'en fait, elle a déjà été annoncée dans les shorts, donc je vous laisse consulter les shorts de la chaîne. La boutique solidaire, elle est reliée donc à la plateforme de l'association, évidemment. Elle a été créée afin de financer les dépenses du réseau, les livres de recherche, les documents nécessaires aux enquêtes écrites, etc. D'accord. Donc à ce titre, on a agrandi le site web, évidemment, pour lui faire une grande place, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de produits, vu que j'ai mis pas mal de plantes en ligne déjà, évidemment. Les statuts ont été modifiés, le règlement aussi. Donc encore une fois, je vous invite à le consulter. On a adapté, on a fait les changements nécessaires, les déclarations nécessaires, pour vous informer justement du mode de fonctionnement de cette boutique. Les ventes effectuées en ligne. Alors par contre, je vais être très claire là-dessus parce qu'il faut vraiment faire la différence. Les ventes effectuées en ligne seront reversées dans leur intégralité à l'association. C'est pas de l'argent que je me fais à moi. Tout l'argent est reversé à l'association. C'est vraiment très important de le comprendre, d'accord. Sur les sachets de 2 grammes, l'association touche 1 euro. Sur les sachets de 5 grammes, l'association touche 2 euros. D'accord? Tout le reste, c'est calculé en fonction des frais de port, etc. Les prix affichés au départ, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'évidemment, quand la boutique solidaire est arrivée, bah, y en a tout de suite qui sont venus voir, ce que je trouve plutôt sympa, merci. Il y avait eu quelques bugs, donc ils ont été. J'ai réparé ça, donc il n'y a pas de souci, c'est mis en place. Les prix qui étaient affichés au départ, évidemment, un sachet de 2 grammes, il ne fait pas 11 euros, d'accord. C'était des prix que j'avais affichés comme ça pour mettre en place le fonctionnement, le design, etc. Il faut comprendre que quand on est webmaster, on fonctionne par étapes, d'accord. Donc là, c'est bon, les prix sont en ligne, on a annoncé le départ de la boutique solidaire, il n'y a plus de problème. Tout vous est affiché comme ça doit l'être. Pour chercher un végétal, on m'a posé cette question. Pour chercher un végétal, utilisez la fonction recherche dans la boutique, d'accord. S'il n'y a pas, vous m'envoyez un mail et éventuellement, je pourrais faire le nécessaire avec les producteurs du coin à qui je fais vraiment plein de gros bisous. Un gros bisou aux terres cathares, aux ariégeois. Au niveau du règlement intérieur, donc on a précisé un petit peu comment tout ça fonctionnait. Donc je vous le lis pour info. Les moyens de financement, passeront également par la boutique solidaire. Tous les achats effectués sur sa plateforme seront donc reversés en intégralité à l'association. Ça, je l'ai déjà dit. Alors, cette boutique en ligne fonctionne comme une vitrine classique. C'est-à-dire, quand vous allez voir une auto-entreprise, vous arrivez sur Alliance Occulte, bon, bah, ça marche à peu près sensiblement de la même façon. À ceci près que les achats sont des dons qui nous permettent de financer et d'améliorer notre projet en continu. D'accord? Vous obtiendrez un reçu de votre achat qui ne sera non pas un reçu classique, mais un reçu correspondant à un don reversé à un organisme. C'est-à-dire que quand vous achetez dans une auto-entreprise, il n'y a pas de mal à ça, le commerce en ligne, il n'y a pas de mal, voilà. Voilà, ce sont des gens qui travaillent. Nous, les reçus, c'est un don que vous faites à un organisme, à une association, d'accord? C'est différent. Donc, comme je vous disais, par contre, on n'aurait pas de réduction d'impôt. L'association est beaucoup trop jeune pour le moment. Je regarde ce que j'avais à dire là-dessus, parce que je vous raconte pas, voilà. Ok, c'est bon. Donc là, pour la boutique, c'est bon. Donc j'ai mis pas mal de plantes en ligne. On m'avait demandé du sureau noir, je l'ai rajouté, de millepertuis aussi. Vous avez pas mal de fleurs. Ce que je vous suggère, d'accord, aussi, quand vous achetez au sein de la boutique solidaire, c'est de consulter les descriptions qu'il y a sous les produits. Vous avez beaucoup de détails. Ce à quoi les plantes sont associées aussi. Donc là, ça va dépendre évidemment du culte auquel vous appartenez. Cela va de soi. C'est voilà, c'est une question de choix. C'est une question voilà où
où chacun voit midi à sa porte, comme on dit. On ne peut pas parler de cadeaux de frais de port, de choses comme ça. Comme on vous dit, c'est une association, pas une auto-entreprise. Donc, du coup, si on commence à faire cadeaux, je vais dire des frais de port, mais Loulou, on va faire faillite, d'accord ? Aujourd'hui, voilà, la boutique solidaire en tout cas est en place. Je l'avais promis, vous l'avez. Je tenais à remercier tous ceux qui ont déjà commandé, d'accord, au sein de cette boutique. À savoir que je vais m'organiser pour que je puisse envoyer les colis un jour dans la semaine. Comme ça, je vais regrouper toutes les commandes en même temps, d'accord. Donc, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai démontré là, les commandes, elles sont déjà en cours de préparation. Vous avez des petits sachets. Voilà, de 2 grammes ou de 5 grammes, ça va dépendre. Alors, on me dit, Alex, c'est des petits sachets. Que ce soit dans le cadre de l'ésotérisme, de la religion, peu importe, il n'y a pas forcément besoin de sachets de 100 grammes, de 100 grammes, 500 grammes, 600 grammes. C'est pour ça qu'on en fait des petits, d'accord ? À savoir que je vous demande d'être prudent, ce ne sont pas des plantes qui sont là pour être ingérées, d'accord ? Donc ça, pareil, c'est précisé. Je vous laisse visiter la boutique. Si vous avez des questions, je suggère plutôt que vous le fassiez en commentaire. Comme ça, je vais m'adapter à vos demandes, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre au niveau de la boutique ? Ben tout, j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes petits chats? Allez visiter. Vous allez sur allianceocculte.fr, vous allez tout voir. À savoir que durant cette réunion, il y a une autre surprise qui a été mise en place. Là-dessus, je vais vous donner rendez-vous sur la vidéo demain à 10h. J'essaie de mettre un petit peu d'ordre. Comme j'ai pas été là longtemps, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Je préfère y aller mollo et puis voilà, vous permettre d'enregistrer les informations progressivement. Il y a eu beaucoup de taf de fait. Voilà mes petits chats, donc je dis et je le remercie, je remercie beaucoup ceux qui ont déjà commandé. 1 euro, 2 euros, ça semble pas énorme et pourtant en fin d'année ça nous permet de régler les frais de l'association. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.